C'est bien. On a voulu faire les malins. On est venu dehors parce qu'il fait grand beau, mais il y a la bise, du coup, ça caille. J'espère que vous êtes, vous, bien installés, que vous avez un petit endroit sympa chez vous, sur une terrasse, dans le salon. Je sais pas qui c'est qui arrive. Je vous présente. Vicky. Ouh, tout le monde est là. Salut Julie, Johan, Antoine, Alice, Alex, je viens d'avoir ton message, trop cool. Philippe, nickel. Vous allez bien en forme? En week-end, vous avez fini la semaine, j'espère, pour tous. Alors, il y a du vent, donc il faut que je parle plus fort. Si vous tombez, ne vous inquiétez pas, on viendra vous chercher, c'est quand même un petit peu juste. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive. Il y en a 2-3 qui manquent. Pour ce soir, vous n'avez pas besoin de grand chose. Un tapis, pas forcément beaucoup d'espace. On va pas sauter dans tous les sens, à part en hauteur. Je pense que vous allez tomber au moins une fois. Ne vous inquiétez pas si ça arrive. Attention à Vicky quand elle va sauter, elle risque de partir dans le lac. Que je faisais un tapis, une serviette pour vous essuyer, une bouteille d'eau pour vous hydrater un petit peu pendant la séance. Et voilà, et ben on a l'air d'être tous. Il y a plein de gens qui sont arrivés que j'ai pas vu. Salut Cyril, salut John, salut Karine, papa, Gaël. Allez, et ben on va attaquer tranquillement. Je vous laisse vous mettre les pieds bien à plat, bien droit. Et on va commencer tranquillement par libérer les cervicales en tournant la tête. N'hésitez pas à me dire si j'ai besoin de parler un petit peu plus fort pour m'entendre, que vous m'entendiez à cause du vent. La tête dans les deux sens, bien relâchée. Et on vient libérer les épaules. Qui tremble, hein, c'est le téléphone qui bouge. Ah, salut Antoine, salut Anthony. On est tous là vendredi soir, tout le monde est motivé avant le week-end. Vous allez passer un très bon week-end après, vous allez pouvoir marcher, vous pouvoir rigoler. Ça va être parfait. On vient tourner les bras. Un peu attendu, pardon. Ce qu'on fait la séance de mercredi, j'espère que vous allez bien, que vous avez récupéré mal nulle part, tendu derrière. Pour ce coup, c'est la première séance, normalement vous êtes en pleine forme. Je pense à toi Alex. On change de bras. Bien tendu, ouvrez bien. De votre aide parce que c'est un circuit avec où faut compter et en général je me plante donc vous criez pas si je me trompe de quelques reps. On tend, on grandit, on bascule sur les côtes et les pieds restent à plat pour rester dans l'axe et on change. La tête qui suit les mains. Parfait. Il y a une dame qui vient. Ah, d'accord. Elle a posé un petit tapis. Ouais. Si vous cherchez sur un autre live Insta, il y a une dame qui doit faire du yoga là-bas. Elle fait de la concurrence sur la terrasse opposée. En fait, c'est toi qui fais la séance, toi qui arrêtes quand tu veux. On vient basculer le bassin, les épaules fixes. Allez les hanches. Je
sais pas ce que ça a fait. Il y a une rotation, c'est moi qui clique. Oui, c'est moi aussi. Concentrez tout le monde pour le moment, j'ai pas le droit, pas de bêtises. On vient tourner les genoux. Donc je le dis à chaque fois, mais je le redis, l'objectif de toutes les séances, c'est de vous faire bouger, de vous proposer quelque chose qui vous permette de sortir de votre zone de confort, de vous faire travailler. Mais je suis pas là pour vous corriger, donc je vais vous proposer des exercices, des adaptations. Mais à chaque fois, vous choisissez la difficulté que vous souhaitez pour faire un exercice qui soit sollicitant pour vous, mais qui sorte pas, qui soit pas dangereux. Donc n'hésitez pas si ça devient trop dur. Arrêtez, prendre une récup, vous nous laissez finir la série. Vous reprenez sur la série d'après. Et si c'est trop facile, n'hésitez pas à rajouter des reps. Ça marche. Je peux pas tomber cette jambe. On vient faire des bascules. Talon pointe. Talon fesse. On alterne un pied et puis l'autre. On cherche la flexion de jambe. On ne peut pas du tout ça courir quand c'est pas beau. Les mains devant, montez le genou. Ah oui, pour le thé, c'est pas évident. C'est la terrasse commune de l'immeuble. Si seulement ça pouvait être que notre terrasse à nous. On vient venir faire 10 petits squats. On descend, donc vous conservez les pieds écartement un petit peu plus large que le bassin, légèrement ouvert. Vous cherchez à bien descendre les fessiers, bien basculer. Laisse en arrière, remonter. Inspirez, soufflez. Mais c'est un peu notre terrasse en fait, moi. C'est un peu approprié. Ouais, je suis désolé. Après, si vous avez un appartement avec une grande terrasse à nous proposer, avec grand plaisir. Pour la suite de l'échauffement, on va venir faire un petit enchaînement. Je vous le montre rapidement et ensuite on le fait ensemble. On va partir 10 secondes statiques en chousse. Donc le buste droit, les genoux au-dessus des talons, les fesses en arrière, les mains qui viennent faire contrepoids. On basculera les mains au niveau des pieds. Vous viendrez chercher devant le plus loin possible. Ramenez les mains sous les épaules. On viendra faire deux pompes ou deux pompes sur les genoux. Ensuite, six climbers. On descendra sur les coudes. Quatre bascules de bassin. On remontera. On viendra grandir. Deux fentes. On soufflera. On fera ça trois fois. Ok ? Je vous explique. Enfin, je redis tout en même temps que je le fais. Vous avez qu'à simplement assurer. Salut Clara. Dans la Creuse, non, pas dans la Creuse, dans le quartier Albini. Albini, juste là ou un tout petit peu en face. Mais il faut voir le lac. C'est la condition. Et la séance sera presque commencée après l'échauffement. On est prêt? Allez, top. Les pieds bien à plat, on appuie les talons. On ouvre les épaules, on commence légèrement à sentir les cuisses. Et on vient poser les mains
serrer les abdos. On avance, pas de l'ours. On va chercher le plus loin possible. On ramène. On descend, deux pompes. Poitrine au sol. On remonte. Climb bar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reposez sur les coudes. Bassin côté. 1, 2, 3, 4. On revient à plat. Remontez sur vos mains. Déroulez. Grandissez. Et les fentes. À plat. 1, 2. Good. Vicky veut faire plus, on fera plus au prochain tour. Non, on fera plus. Son Insta, si vous voulez son adresse mail pour lui envoyer des insultes ou n'hésitez pas. On est prêt ? Un repas. 2, 1, et top. Oui, bah, si t'avais un peu relaxation à ce moment-là. On pose les mains dans ton poitrine. On déroule, on serre les abdos, on gaine. Bassin parallèle au sol, on va chercher loin. On ramène les mains sous les épaules. On descend en pompe, poitrine au sol. On remonte. On remonte. Six climber. 1. Coude sur genou, chercher l'amplitude. Bassin haut. 4, 5, 6. On pose sur les coudes. On va chercher sur les côtés. 1, 2, 3, 4. On bloque. On remonte sur les mains. On pousse les fesses en arrière. On remonte. Et donc, 10 fentes pour faire plaisir à Vicky. 3, 4. T'as dit 4 avant. J'ai dit 6. T'as dit 4. Je triche. Salut Fiona. On souffle et on refera un tour. Je crois que j'ai prévu une séance très très courte. On va être obligé de faire plusieurs tours. Allez, 3, 2, 1. Et top. Allez, ah, tu vas faire comme moi. Hein? Tu me vois pas. Si tu veux bien. Merci coach. On pose les mains au sol. On avance, menton poitrine, serrez vos abdos, le bassin reste parallèle au sol. On ramène les mains sous les épaules. On descend en pompe. Une. 2, climber. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Descendez sur vos coudes. Bassin côté. Droite, gauche. Droite, gauche. À plat. Remontez sur les mains. On les remonte. On aspire. 1. Appuyez sur votre talon. 2. Bassin droit, serrez les abdos. 3, 4, très bien. Et on se voit la semaine prochaine. Ha ha ha. Très bonne blague. Donc, pour la suite, circuit progressif. C'est un petit peu compliqué à expliquer, donc vous allez nous suivre simplement. Premier tour, un exercice. Deuxième tour, deux exercices. Troisième, 3, et ainsi de suite, on va faire 6 tours, ça va ? Ça va. Et donc, je vais vous expliquer, donc premier tour, 5 squats. Deuxième tour, on fait 10 squats, et on rajoute un exercice à 5 reps. Donc, 10 squats, 5 sit-ups. Troisième tour, on vient faire 10 squats. Je vous ai dit que c'était un petit peu compliqué. 15 squats, 10 sit-ups et on rajoutera 5 climbers. Et à chaque fois, on rajoute 5 reps au premier exercice, 5 au deuxième, 5 au troisième, plus un nouvel exercice à 5 reps. Donc là, j'ai perdu la moitié des personnes, je sais.
on te remercie pour les fentes. Il y a six... six exercices à réaliser. Donc là, premier tour, facile. Pour les adaptations, on va faire différentes choses. On va commencer par des squat jumps. Donc vous descendez, on cherche le plus de hauteur. Quand on aura 10, on fera un squat jump, un squat. On comptera chaque squat. Quand on en aura 15 à faire, on fera que des squats classiques à 20 reps. Vous pourrez choisir de faire soit que des squat jumps, soit que des squats classiques, soit alterner 1 sur 2, 1 sur 3. Comme je vous disais, ça vous adapte avec vos difficultés. L'autre exercice qu'on va faire, c'est les sit-ups. Pour vos sit-ups, les pieds sont à plat l'un contre l'autre. Vous devez tout le temps conserver les talons au sol. Trois niveaux de difficulté. Le plus facile, vous décollez simplement les omoplates en serrant vos abdos. Niveau intermédiaire, vous lancez les mains devant pour toucher vos pieds. Ça dépend surtout de la mobilité de votre dos. Et le dernier niveau, vous allez vers le haut et pas vers l'avant. On aura des fentes, on aura des climbers, on aura des burpees. Pour les burpees, je remonte les trois niveaux qui sont possibles. Un, sans pompe, sans saut, tout simple. On pose, lance, lance, ramène, ramène, remonte. Un intermédiaire, lance les deux pieds, ramène les deux pieds, remonte, tu peux le faire en sautant. Et un complet, lance, descend, ramène et saute. Ça, vous choisissez en fonction de votre fatigue sur le moment, votre mobilité et vos douleurs aux épaules ou aux jambes, pardon, aux genoux. C'est OK pour tout le monde ? On commence. Premier tour, 5 squats. Deuxième tour, 10 squats, 5 sit-ups. Troisième tour, 15 climbers. 15 squats, j'y arriverai. 10 sit-ups, 5 climbers. Mais je vais forcément m'emmêler, mais ça vous fera de la récup. C'est OK pour tout le monde ? Allez. On est parti, on commence avec 5 squat jumps. 3, 2, 1. On descend, on pousse en sur 1, 2, 3, 4, 5. On a fini le premier tour. Bravo, fier de vous. On enchaîne 10 squats. On va faire un squat jump et on rajoutera 5 abdos. On est parti? Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 et 10. Passez au sol. 5 abdos. 1, 2, gardez les talons au sol. 3, 4, 5. On a fini le deuxième tour. Bravo. Chaque fois qu'on aura fini un tour, on aura 15 secondes de rep en plus, 15 secondes de récup en plus. On part dans 5 secondes pour 15 squats classiques. Top, c'est parti. Descendez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, gardez les épaules ouvertes, regard droit, 13, 14, 15, 10 sit-ups, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On rajoute 5 climbers. Droite, gauche, pour 1. On est parti. 1, 2, 3, 4. 5, bien. Et on va partir. 20 squats, 20 squat jumps, 20 squats alternés. C'est vous qui choisissez.
On part dans 2, 1, étape, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8, 19 et 20. Les pieds joints, 15 sit-up. Et on monte. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Declimber. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on rajoute 5 burpees. Ça va faire chaud. C'est parti. On pose, on lance la ventre. On remonte, on saute. 1, 2, 3, 4 et 5. 30 secondes. Ça va pour tout le monde ? On aura 25 squats, ainsi de suite, et on rajoutera 5 pompes. Il faut 10 burpees. Donc 10 burpees. Okay. Allez, 3, 2, 1, et top. 2, 3, ah, j'ai fait n'importe quoi. 7. 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Et on repart pour 20 sit-ups. 1, 2, j'entends que ça pouffe à droite. 3, 4, 5. Alex, ça va toujours? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15 climbers, les épaules au-dessus des mains, et on est parti, droite, gauche, 1, 2, 3,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 10 burpees. Adapté en fonction de votre fatigue. Et on est parti. 1. Revenez bien les pieds à plat. 2. Pensez à respirer. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Allez. 9. 10. 5 pompes. 1. Et c'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. Bien. 45 secondes de récup. On va franchement avant 15 minutes. Ouais. On va dire ce qu'il y a. On s'arrête là. Okay. Dernier tour. 30 squats, 25 sit-ups, 20 climbers, 15 burpees, 10 pompes, 5 fentes sautées. Dernier tour. 4 classiques, squat jump pour les fifous. On part dans 5 secondes. Votre squat, gardez l'ouverture des épaules, vos pieds à plat. Et top, on est parti pour 30. 1, 2, 3, 4, 5. Gardez le dos droit. 6, 7, 8. Pensez à respirer. 9, 10. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Appuyez équilibré sur les deux jambes. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bien. Si c'est dur. 3. Ou en haut si vous êtes facile. 4. 5. Cherchez la contraction des abdos. Si vous ne sentez pas les abdos, c'est que vous servez trop de vos bras. Lancez la poitrine avant de lancer vos mains. On doit être à 7. 8. On peut dire merci à Vicky. 9.